À plusieurs reprises, ces temps derniers, un prêtre de notre diocèse, le père Vincent Cardeau, a fait les honneurs de la presse grâce à son implication dans ce réseau social qui touche les jeunes générations qui s'appelle TikTok. Un réseau où, par une courte vidéo, on peut faire passer un message. Et son désir est, de fait, de faire passer un message qui soit un message de l'Évangile, qui parle de l'Église. Il est précieux que, ainsi, les jeunes puissent avoir des réponses à leurs questions. La Conférence des évêques de France va d'ailleurs créer un petit groupe de travail pour aider la dizaine de prêtres qui sont, à travers la France, investis sur ce réseau et sur les réseaux sociaux en général, à avoir les moyens de répondre à toutes les questions qui leur sont faites. Après tout, il ne peut pas y avoir de questions sans réponse, même si les réponses que nous faisons dans la foi ne sont pas nécessairement des réponses blanc ou noir, mais qui permettent de faire grandir dans l'interrogation naturelle que connaissent les adolescents et que nous connaissons d'ailleurs au cours de toute notre vie. Alors, en remerciant encore le père Vincent Cardeau de son implication sur les réseaux sociaux, je souhaite aussi lui apporter mes encouragements, mais aussi mon appui pour qu'il puisse continuer à porter ainsi l'Évangile.